Coucou mes amis, ce soir on va se retrouver pour faire un petit échange avec vous. Vous savez bien tous maintenant à quel point ça me perturbe de voir mes choux autant souffrir avec des bêtes noires dessus. C'est pas vraiment des pucerons. Voilà, j'ai fait des recherches sur internet, énormément de recherches, et j'ai trouvé sur une infusion que je voulais le partager avec vous. En fait, on prend toutes les plantes aromatiques de cuisine, que ce soit basilic, thym, rosmarin. On fait une infusion comme le thé, bien sûr le matin, puisqu'il faut laisser froidir. On met deux gouttes d'ail bien écrasées dans l'infusion. Et ensuite, on met de l'huile d'olive. Moi, j'achète de l'huile d'olive qui a déjà le goût d'ail dedans, donc qui a déjà de l'ail dedans, plus l'ail que je rajoute par la suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait et puis on va aller pulvériser sur mes choux ensemble. Et si jamais ça fonctionne, bien sûr, je vais venir vers vous pour vous donner des détails. Comme ça, vous l'essayez chez vous. Voilà, à tout de suite. Voilà. Donc, je les ai fait bouillir ce matin. Donc, il y en avait de toutes les plantes avec mon lait. Tout. Il reste encore des plantes pas mal dedans. Je vais devoir tout filtrer pour mettre dans mon petit arrosoir chip-chip, là, comment je l'appelle, comme d'habitude. Et puis, on ira ensemble pour voir un peu les pulvériser sur mes choux. À tout de suite. Et voilà, nous sommes. Regardez-moi ça, dans l'état qu'ils sont. Alors, je vous montre les petites bêtes, en espérant que vous les voyez. Et on va les arroser. Bon, déjà, ils tombent parce qu'ils n'aiment pas l'eau. Ça, on le sait très bien. Ils sont dans un état, mais pauvre. J'ai honte. J'ai honte et j'ai mal pour vous. Bien sûr, quand j'aurai pas le téléphone dans l'autre main, je vous rassure que je retourne les feuilles et je le fais aussi en dessous. Je fais quand même attention que ça aille pas sur les salades parce qu'à mon avis, le goût, hein, déjà vu l'odeur dans l'état que c'est fort. À l'odeur. Et si ça fonctionne, si je vois que ça fonctionne, je vais vous faire des retours. Comme ça, vous pouvez le faire bien sûr chez vous. Et comme j'en ai pas mal de l'infusion, bah, j'arrose bien un bout d'amont. Voilà, à bientôt mes amis.